je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de produits que j'ai reçus à plus petit budget de la part de DP Clubs. Donc je tiens à les remercier de m'avoir envoyé tout ça. Et comme d'habitude, c'est venu dans un sac. Le packaging extérieur, c'est un sac, c'est pas une boîte. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout mis sur la table. On va regarder trois toiles et un produit dans le thème de Pâques que j'espère faire cette année d'ailleurs. On va voir si je vais y arriver parce que je pense que j'en ai plusieurs, mais ouais, je me suis dit que ça serait sympa de prendre un produit dans ce thème-là. Alors, on va peut-être commencer par les toiles. Je regarde les fiches que j'ai là. Ouais, j'ai pas mis ça dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer avec celle-là peut-être. Donc, celle-là, bah, je vais pouvoir vous donner le prix une fois que je vois quelle toile c'est. Ah, c'est celle-là. C'est la première fiche que j'ai devant moi. Donc celle-là sur le site, elle est au prix de 4,62 € ou 6,76 $ canadiens. Je donne les prix en canadien pour les Canadiens et les Canadiennes qui regardent la chaîne. Donc là voilà, elle est vraiment très belle. On a un toolkit de base avec un plateau, un morceau de cire et un stylet en bout simple. La toile, ça me dit que c'est du 30 par 30, mais ça, généralement, c'est avec les bords blancs. Je pense que sans les bords blancs, c'est du 25. Ouais. 25 par à peu près 25. Je donne la taille pour ceux et celles d'entre vous qui aiment mettre les toiles en portfolio. Donc 25 par 25. XD 362. On retrouve ça sur les diamants. Donc ça, c'est bien. On a deux légendes, une de chaque côté, qui contient des chiffres et des lettres. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F. Donc ça c'est bien, ce sont des symboles qui sont faciles à lire. Et on va regarder la qualité des symboles sur la toile. Ben, c'est bien lisible. Ouais, c'est beau, les symboles sont très jolis et j'aime beaucoup l'image. Là. Là, ouais, c'est beau. Je ne vois aucun problème avec cette toile. Tout est très, très bien imprimé. Elle est très jolie. Donc, on a 11 types de diamants différents là-dedans. On va regarder ça ensemble. Alors, de ces 11 types de diamants, on a 1, 2, 3, 4, 5 strass. Je vais marquer 5 ST. Et normalement, on devrait avoir 6 spéciaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bien ça. Donc 5 strass et 6 spéciaux. Pour les strass, on a du rose. Ça, je dirais, ouais, c'est un orange très très pâle. Du vert. Un jaune. Un beige. Et au niveau des diamants spéciaux, ça, c'est trop beau. Ça, c'est... Il y a comme une étoile, en fait, qui est gravée à la surface du diamant. Ensuite, on a ces grosses strass bleu AB. On a ces finis métalliques. Des gouttes de couleur dorée. Des gouttes... non, ça, ce sont des yeux de chat, excusez-moi. Des gouttes roses et... Ben, rose AB. Et ça, ce sont des gouttes qui sont beige. Donc, voilà. Franchement, on a une belle sélection de différents types de diamants dans ce projet. Ouais, c'est très beau. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, le deuxième, c'est dans le même style. C'est aussi une fleur. 4,62 € ou 6,76 $. Oh, c'est joli ça aussi. Oh, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Donc ça aussi, c'est du 30 par 30. Donc du coup, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? 25 par 25 au niveau de l'image. On a un toolkit exactement pareil que ce que je viens de vous montrer. Les diamants, la toile, XD363, donc ça c'est bien, on a encore une fois deux légendes, on n'a que des chiffres et des lettres, donc ça c'est cool, au moins ce sont des symboles faciles à lire, et ça a l'air très bien imprimé encore une fois. Il y a beaucoup de diamants à mettre, hein. Je suis vraiment contente parce que de temps en temps, j'avoue que bon... Les toiles sont à ce prix-là, mais on n'a pas beaucoup de diamants à mettre. Mais non, ils en ont mis pas mal là. Donc ça, c'est bien. Donc ouais, tout semble très beau là sur cette toile aussi.
Et on a 11 types de diamants différents. Et de ces 11 types, donc déjà je vais marquer 11. Je me demande si c'est pas la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 strass. Et du coup, on devrait avoir 5 spéciaux. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 spéciaux. On a un strass du rose, du jaune, du vert, un autre jaune, du vert, un orange. Et là, on a encore ce même style, ce même type de diamant, excusez-moi, qui est comme ça. Ensuite, des gros strass bleu AB. Ça, en fini métallique doré que j'adore. J'adore placer ce type de diamant. Là, on a des gouttes qui sont jaunes, ben beige plutôt. Des gouttes et des yeux de chat, en fait, de la même couleur. Si la caméra veut faire la mise au point. Voilà. Voilà pour les diamants dans ce projet. Ensuite, je vais prendre mon autre feuille. C'est la troisième toile, celle-là. C'est ce papillon qui est magnifique d'ailleurs. Il est très joli. On a un toolkit exactement pareil que ce qu'on a vu précédemment. XD361, on l'a bien ici, donc ça c'est bien, et encore une fois 30x30, donc au niveau de la taille de l'image, c'est du 25x25 cm, et on a 11 types de diamants différents dans cette toile aussi, deux légendes, encore une fois, une en haut à gauche et une en bas à droite, non, le contraire, une en haut à droite et une en bas à gauche, voilà au niveau des symboles, encore une fois c'est alphanumérique. Il est magnifique hein, ce papillon. Et je vous montre la qualité des symboles. Qui encore une fois a l'air très belle. Ouais, c'est beau au niveau des symboles sur cette toile. Nickel. Je suis très contente. Ouais. Et les toiles sont bien épaisses quand même. Alors, des 11 types de diamants, on a 1, 2, 3, 4, 5 diamants strass, pardon. Et on devrait avoir 6 spéciaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. 6 spéciaux. Alors, les strass, on a du rouge, du transparent, du jaune, du bleu, de l'orange. Et ensuite, on a du gros strass rouge, du gros strass orange AB, ce fini métallique que j'adore. Ouh, c'est joli ça, regardez, ce sont des yeux de chat, mais ils sont tout fins et longs, bleus, ils sont magnifiques. Ensuite, on a ces grosses gouttes bleues et on a des gouttes beiges. Je me demande où vont aller les grosses gouttes. Oui, c'est quoi comme symbole hein? C'est le 9. Ah, il y en a là, vous voyez, je pense que c'est le D. Ouais, c'est le D, il va là. On n'en met pas beaucoup, je crois qu'on n'en met que 4. J'en vois que 4 là. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas combien ils en ont donné. Ils en ont donné pas mal quand même, donc ouais. Et pour terminer, c'est un objet. Comme je vous ai dit dans le thème de Pâques. Donc voilà comment c'est emballé. Il y a le support là, les diamants et le toolkit. Alors, le toolkit, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu, sauf qu'on a des sachets refermables en plus. Les diamants, ils sont là. Et, ouh, c'est beau. Et voilà le, ouais, le produit. Mais regardez, ils ont imprimé ça sur le support. Pourquoi est-ce qu'on en a deux? Je ne suis pas sûre. Je me demande s'il y a un film plastique là ou... Non, il n'y a pas de film plastique ni là. Ni de l'autre côté. Quoique. Oui. Alors là, on a du plastique qui recouvre de la colle. Donc ça se pourrait en fait qu'il faut mettre ça ensemble. Donc ça, ça va coller à la colle une fois qu'on enlève le film plastique ici. Pour donner du coup plus d'épaisseur. Et il y a la fente là dans laquelle on va mettre ça. En revanche, j'avoue que le design qu'ils ont imprimé là-dessus, ça ne s'agence pas trop, pardon, avec ça. Mais bon, regardez, on va voir une fois que c'est terminé. Et du coup, ben, c'est ça. Ça, la partie que vous avez là, là, vous l'enclenchez dans la fente. Voilà, ça tient droit comme ça. Bon, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous comprenez le principe.
Et ça, sur le site, c'est au prix de 11,88 € ou 17,36 $. Alors déjà, au niveau de la taille, je vais prendre du haut à la base. Ça va vous donner une idée. La taille en centimètres, c'est à peu près du 19,5 de hauteur. Donc je vais noter ça. Et en largeur, je vais prendre chaque côté des tulipes. C'est à peu près du 15. Ben c'est presque du 16. Hein. Ouais, je vous dirais presque du 16 cm de largeur. Ça, c'est correcto. C'est du plexi, donc c'est rigide. Et du coup, ben, le film plastique, on enlève comme ça pour pouvoir poser les diamants. Ouh là là. En revanche, il est bien, bien, bien collé. Donc ça colle, c'est cool. Et au niveau des symboles, j'ai l'impression qu'on n'a que des chiffres. Ouais, je vois jusqu'à 17 là. Donc je ne sais pas si on a 17 types de diamants différents dans ce projet. Mais les symboles semblent être bien imprimés. Ils ont bien coupé autour. Et ouais, les symboles, ils ont l'air bien. J'ai l'impression qu'on va avoir des strass plus gros, vous voyez, en 18. Le 18, il est un petit peu plus gros que le 7. Donc, je ne sais pas si on va avoir des diamants spéciaux. On ne dirait pas. J'ai l'impression que ça va être que du strass, mais on va regarder ça dans quelques instants. Mais ouais. Le produit est bien, il n'est pas cassé. Donc, ça, c'est bien. Parce que de temps en temps, ce genre de produit-là, ça arrive cassé, en fait. Alors, les diamants. Donc ils sont là et je vais vous dire combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, j'avais même pas besoin de compter, c'est écrit là. On a 19 types de diamants différents dans ce projet. Donc pour ceux qui veulent des objets avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de diamants différents, ben, ça se pourrait que vous aimiez travailler dessus. Alors, de ces 19, on a... Tout ça, c'est que du strass, en fait. On a 17 strass, c'est 2 diamants spéciaux. Voilà. Donc, 17 ST plus 2 SP. Moi, je note tout sur mes fiches. Je vais vous montrer les couleurs des strass. Ensuite, on va regarder les 2 diamants spéciaux. Donc, on a du transparent, du rose. Ça, c'est du rose très, très pâle. Du jaune, du rose, un autre rose. Ça, c'est un orange, un autre orange. Du marron. Du jaune très pâle, du vert très pâle. Vert, bleu pâle, bleu. Ça, c'est comme une espèce de beige, du vert, de l'orange. Et les diamants spéciaux, on a ça, qui est super beau, vous voyez. Avec l'étoile gravée à la surface. Et on a... Je déteste placer ces diamants. Ce sont des mini-gouttes transparentes. J'aime pas placer ça. C'est pas facile. Donc j'espère qu'il n'y en a pas une tonne. Ça, c'est le symbole 19. Il y en a là. Là, là. Un petit peu là. J'ai l'impression que c'est tout. Donc ça va. Il n'y en a pas tant que ça. Donc ouais, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que c'est fini. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaierai de le faire cette année. J'aimerais bien le faire cette année, mais je vais faire des projets de Pâques durant certainement le mois de mars. Ouais, durant le mois de mars. Je m'y prendrai un petit peu à l'avance. Et j'essaierai de faire les projets que j'ai en stock. Et j'essaierai d'inclure celui-là aussi. Voilà les produits que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc je vais reprendre les toiles. Voilà les 3 toiles présentées qui sont vraiment très belles. Je les aime beaucoup et je sais pas comment je vais mettre tout ça à l'écran et voilà le petit support. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère que ces produits sont encore disponibles sur le site et s'il y a un code, je vous le mettrai en barre d'infos aussi. De temps en temps, ces compagnies nous donnent des petits codes pour vous. Ce ne sont pas des codes d'affiliation. Et généralement, ce sont des petites soldes. Mais c'est ça, regardez en barre d'infos pour des codes, pour les liens vers ces produits. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!